les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la troisième semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation ou encore m'envoyer un email. Voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux pour la troisième semaine du mois d'octobre. Angels, please give me my toes, but the month of October 2019. Please give me your money for my toes for the third week of the month of October 2019. Les taureaux, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui a carrément envie de voyager pour changer d'air. On a une personne ici qui a envie de visiter une autre ville, cité, région, pays, afin de se débarrasser peut-être de toutes les énergies négatives qui l'entourent, d'accord? Oui, c'est une partie d'entre vous. On a peut-être ici un partenaire qui a l'impression qu'il est trop surveillé par la mère de son enfant. Donc, si vous êtes ici as well dans une relation peut-être triangulaire, où vous avez ici un partenaire qui a déjà un enfant avec une autre personne, il est probable que vous ayez ici ce partenaire qui essaye de laisser tomber cette femme here afin de voyager, afin de chercher à rencontrer de nouvelles personnes ou encore afin de chercher à s'éloigner le plus loin possible d'elle. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, c'est peut-être aussi une femme qui a l'intention de chercher à visiter de nouveaux environs afin de s'éloigner peut-être du père de son enfant ou encore d'une personne qui veut avoir un enfant ici avec lui ou avec elle. Ok? So, on est donc ici dans une situation où pour une certaine partie d'entre vous, on a une personne ici qui pendant très longtemps avait l'impression d'être comme en cage, ok? On a une personne ici qui pendant très longtemps avait l'impression de ne pas réellement voler de ses propres ailes, avait peut-être l'impression d'être avec des gens toxiques ou d'être avec des gens qui peut-être ne lui permettaient pas... de s'élancer, ok? De s'élancer vers d'autres aventures, les trucs comme ça. Et on a ici un partenaire qui a eu l'opportunité aujourd'hui de prendre des vacances ou encore un partenaire qui a eu l'opportunité aujourd'hui de réellement aller loin. Ok, puis c'est un parti d'entre vous, soit c'est un partenaire ici qui a carrément pris la décision de voyager seul, mais il est probable que vous ayez aussi un partenaire peut-être qui a voyagé avec d'autres personnes, etc. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous avez ici un partenaire qui programme ici un voyage sans vous et ne comptez pas trop dessus, quoi. S'il s'agit ici de partir avec le partenaire, n'y comptez pas trop. Ok, donc voyons, on va un peu... si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Yep. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est aussi probable...
Ok, faites attention, d'accord? Parce que si vous avez aussi ici un partenaire qui a carrément décidé de voyager sans vous, il est très important peut-être pour vous de faire attention parce que vous avez ici un partenaire qui a peut-être l'envie de, comment on dit là, de s'attarder à certaines actions peu régulières, d'accord? Donc peut-être que vous avez ici affaire à un partenaire qui normalement, quand vous le voyez, c'est un bon père de famille, il est toujours tranquille, etc. Mais on a un partenaire ici qui a l'intention de voyager ici pour faire la fête. Il est aussi probable que vous ayez aussi un partenaire qui a l'intention de voyager avec une maîtresse as well, ok? Je vois ici quelqu'un qui a l'intention de passer du bon temps. Je sais pas c'est qui ici. Qui voudrait même avoir des rapports intimes au bord de la plage. Ok? So, oui, c'est un parti d'entre vous. On est peut-être ici dans une situation que vous essayez d'ignorer ou bien c'est un peu comme si peu importe là où votre partenaire a décidé de partir, à moins que ce soit vous ici qui ayez décidé de partir quelque part, il est probable que vous essayez toujours de fermer les yeux quand il s'agit d'un certain comportement néfaste que votre partenaire a. Oui, c'est un parti d'entre vous. Peut-être que vous avez ici affaire à quelqu'un qui boit beaucoup, quelqu'un peut-être qui. Quelqu'un peut-être qui utilise différents genres d'alcool ou encore qui utilise différents genres de drogue. De drogue, je dis en anglais. De drogue, ok. Je vois ici quelqu'un peut-être qui. You know, en tout cas, j'ai pas envie de citer les drogues ici. Mon Chanel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. Whatever. So, on est ici dans une situation où peut-être que vous avez toujours été dans une relation plutôt toxique avec ce partenaire en question, mais vous avez toujours fait de votre mieux pour éviter de poser les questions qui fâchent, éviter d'adresser les choses qu'on doit adresser. Puis, c'est un parti dont on a même ici une personne qui est très au courant que son partenaire est un trompeur ambulant ou que son partenaire n'est pas réellement très fidèle quand il s'agit de son intimité ici, parce que je vois ici quelqu'un qui est carrément intime avec plusieurs personnes à la fois here. Et on a une personne ici qui a passé son temps à fermer les yeux sur les caractéristiques néfastes de son partenaire. Aujourd'hui, vous avez ici un partenaire qui peut-être a ignoré sa femme ou encore qui a ignoré ici la mère de son enfant ou la personne avec qui il est censé être pour décider de voyager ou pour décider de partir en aventure. Et il est très important ici pour une personne de réellement peut-être se demander, mais qu'est-ce qu'il fait là où il est? Avec qui est-il? Est-ce que quand il est parti, il a été sérieux? Est-ce que, you know, est-ce qu'il n'est pas en train de me mentir? Est-ce qu'il n'est pas en train de me décevoir? D'accord? So, on va essayer de voir un peu sur la suite que je vais poster tout à l'heure sur Vimeo. On va essayer de voir un peu ce que ce partenaire-là cache, quelles sont donc ses intentions pendant le voyage ici de vacances, as well. Et est-ce que c'est carrément des choses que vous savez, que vous cherchez à ignorer ou faire comme si voilà, c'est pas votre problème, ou est-ce que ce sont des choses ici qui vous tiennent à cœur? Est-ce qu'il y aura une certaine résolution ou pas? Anyway, vous n'avez donc à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau et Capricorne. Bisous et bye bye.